Et certainement une certaine heure quelque part, mais tu es bien dans The Big Game of Ski. Et préalablement, il faut que je commence par un avertissement. Spoil, 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 spoil. Oui, si tu es là, sur ce jeu dans lequel on va retourner, qui est Epitasis, c'est qu'il t'a mis la puce à l'oreille. Je te rappelle au passage quand même que c'est un jeu d'exploration énigme. Et que donc, si tu comptes l'essayer par toi-même, t'es en train de te le foutre en l'air. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai pris préalablement le soin de vous casser les oreilles. Oui, je sais, ça doit être désagréable. Je suis pas pressé de réécouter, vérifier ce truc, ce stream. Et donc, bah voilà, viens, viens, je t'emmène, mais sache que je vais te pourrir le jeu, quoi. Puisque tu ne pourras plus le faire d'un air serein. Et ça, c'est moche. Ah, là, j'ai perdu tous les viewers. Ok, bon, bah c'est pas grave. Je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On mange quand? Alors, je sais plus du tout où je reprends. Hop, 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 hop. Je me suis vautré la gueule tel un veau maringot. Ce qui n'a absolument aucun sens, mais il fallait que je la case. Donc, ça doit être pour rentrer chez moi. Est-ce que j'ai fait cette zone? Apparemment, oui. Regardez-moi ce pylône là-bas, comme il est joyeux. Et j'en vois pas d'autre dans le coin. Ah, si, il y a ça qu'il faut que je. Ouais, que je tombe cette barrière. Mais je vais être obligé de rembobiner. Hop, hop, hop. Lâche-moi le. Schmurtz. Alors, salut mon drone. Donc, je rappelle. Vous êtes censé le savoir, hein, si vous suivez le troisième stream. Ce qui est mal, hein, je le rappelle encore. Je rappelle donc le concept, c'est des portails, des choses à biduler, des trucs à machiner dans un monde qu'on découvre. Hein. Et moi j'avais oublié mes cubes et je vais les trimballer jusque là-bas, je crois. Je sais pas si c'est la meilleure solution, mais pour l'instant c'est celle que j'ai trouvée la dernière fois quand j'ai arrêté le stream. Et je ne l'ai pas faite en autre temps, non, j'ai pas retouché le jeu. Ça arrive. Je voulais essayer un truc de. Mais je vais pas le faire. Le fameux truc de con. Il y a des moments où faut pas. Zip et défi. Non, non, non. J'ai failli me faire laseriser. Ok. Il n'y a rien là. Si, il y a encore une porte. Avec une dalle à pression. Sion, 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 sion. Bon, il y a juste cette paroi qui s'ouvrira quand j'amènerai l'autre cube sur cette dalle. Sans me laseriser la gueule. Car oui, sur cette planète, les trucs rouges sont méchants. Et les trucs bleus, ils sont plutôt cool. Ça va? Vous avez tout compris? Alors, hop, on va tracer un petit peu. Qui va, qui saute. Je suis pas doué en saut, hein, je le répète. Je suis même carrément nul, j'ai l'impression. On se récupère un autre cube. Parce que la vie est cool avec des cubes. Et on va aller se le poser là-bas. Alors, j'avais mis beaucoup de louanges pour ce jeu, parce que c'est vrai qu'il n'est pas désagréable, quoi. Il est zen. Vous prenez le temps que vous voulez. Les énigmes, bah, elles sont d'être évidentes. C'est pas des énigmes non plus de gars qui envoient des fusées dans l'espace, quoi. Ah putain, arrête de te tromper de bouton. Ça va te porter préjudice, Maurice, je te le dis. Et du coup, le jeu est totalement agréable à jouer avec son petit parti pris graphique. Alors, je vous rappelle que moi, je suis en 720p, hein, je suis sur une machine de pauvre. Oui, quand ça a plus de 5 ans, un PC, c'est une machine de pauvre. Et donc, bah, y a moyen chez vous de le booster et de le faire tourner comme il faut. Parce que je pense que dans de la grosse res, bah, rien qu'un Full HD déjà, ça serait pas mal sympa, j'imagine. Et là, je rétablis le power. Oui, mais tu as mis le power que d'un côté. Je présume qu'il faut deux côtés pour que ça fonctionne. Et pourquoi tu prends ce accent stupide? Parce que c'est l'air que j'ai l'impression un petit peu là. Regardez-moi ça, le roi de la varap. Non, pas le mur invisible, les gars. On en a déjà parlé dans un stream précédent. Vous voulez vraiment que je me fâche? Ok, ils veulent que je me fâche. Oh, je suis. Y a pas un moyen de se barrer plus vite, sérieux? Ok, je vais ramper. Oui, le pénitent s'agenouille devant. Faudra que vous regardiez encore les aventures du docteur Jones. Moi, je me rappelle plus exactement la phrase.
Il s'agenouille parce qu'il est humble. Il squeak. Donc il s'agenouille pas, voilà. C'est une connerie quand même. On va la jouer au cake. On va se dire, il y a le truc au milieu. Chaque tour comme ça, il faut deux alim. Ça veut dire que j'en ai une soit à ma droite, ce qui n'est pas trop possible, soit à ma gauche, ce qui est plus que probable. À moins que ce soit d'où je viens, que téléporteur. Ce qui est aussi dans les probabilités. Hein. Oui, c'est bien ça. Ok, Maurice. Je peux toujours rien faire avec ce truc. Salut. Salut, grand totem. Bon, là, il y en a un qui est éteint. Il manque qu'à être allumé. Je vais chercher mon pull. C'est le seul défaut, donc pour y revenir, que je demande au jeu, c'est qu'il y a pas mal de trucs aller-retour qui sont pas funky. Alors là, ça va, les distances sont pas longues, mais vous regarderez dans les streams précédents si c'est pas déjà fait. Il y a un moment où je me suis pris la tête et je me suis tapé 4 allers-retours, enfin 4 voyages pour rien. Et c'était moyen sexy, et là où j'ai cherché tous mes cubes qui sont de côté, cette espèce de. Ok, je ne m'énerve pas, mais sache, petit scarabée, que ce n'est pas le truc qui amuse le joueur, ça. Il y a encore une dalle ici. Une dalle qui. Il y a une pétée de cube à récupérer, du coup. Parce que si je dois mettre un cube ici, un cube là, j'ai pas à avoir le compte, les amaches, moi je vous le dis. Alors à moi d'avoir le cul de trouver d'autres cubes ou alors de faire des je te prends, je t'avance d'une case, c'est ce qui va probablement arriver. Hein. Donc ça c'est vrai que c'est une partie j'aurais aimé vous la faire hors stream parce que c'est pas ce qu'on fait de plus génial. J'ai fait quoi de mes cubes derrière? Give me back my cube. Ah oui mais je peux pas éteindre tant que. Comment ça du ronchonne? Pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est juste que. Est-ce que j'ai planqué un cube là-bas derrière? On s'en fout. Je préfère vérifier parce que j'ai commencé le stream sur les chapeaux de roue et du coup j'ai pas fait gaffe à tout. Il n'y a pas de cucube. Non, il n'y a pas de cucube. Alors rentre chez toi. N'oublie pas de te PC. Le pénitent. Le pénitent. Que fait le pénitent? Vous avez vu ce jeu d'acteur? Et je prends mon cube en rampant. Heureusement qu'il n'y a pas de ronce. Et que j'ai un jean super épais ce jour-là. Et je cours comme un fou. Tout en regardant cet astre là-bas à gauche qui se déplace bien vite, je trouve. Alors c'est un effet d'optique avec ma course. On va essayer d'avancer comme un cake. Parce que l'idée, c'est qu'avec 3 cubes, je peux me démerder là. D'accord, allez hop, comme ça après je reprends celui-là. Schnip. Schnip. J'ai fait un peu de la merde, je crois. Ah bah oui, j'ai poussé celui-là. D'accord, vous avez pigé l'idée. Donc je vais chercher le troisième qui est toujours là-bas. Je suis même pas obligé d'aller jusqu'au fond, mais je vais y aller par précaution parce que ce serait con que je m'enferme un cube et après on me dit ah bah il te manque un cube, va le récupérer. Mais il faut que je ramène le cube à cet endroit-là pour récupérer un autre cube. Et sachant que je peux en transporter qu'un à la fois. Comment ça, je suis en train de vous développer une théorie fumante? C'est pas faux, mais c'est ce qui peut arriver. Et cette théorie est tout à fait probable. Donc on va l'éviter. Tant que faire se peut. Attraper. S'en aller. Allez, man. Attends, tu cours. Tu cours jusqu'à la montagne, tu cours comme si ta vie en dépendait. Comment ça, je l'ai déjà fait dans un stream, ça? Ah, vous avez regardé le stream de Bendy and the Ink Machine, bravo. C'est vrai que ma reprise d'Iron Maiden était assez extraordinaire, je vous avoue. Même moi, je m'en suis pas remis. Il n'y a pas la pression. Putain, il y avait une autre. Le premier qui dit ne dites rien. Ne dites rien, je vous entends. Télépathiquement, j'ai vos mauvaises vibes. Vous allez me ruiner le reste de la partie, là, les gars. Ne faites pas ça. Non, arrêtez de penser. Le pensage, c'est moi. Hop, je me mets là où ça se referme. Vas-y, Johnny. Ok, et qu'est-ce que j'ai pas fait, les gars? Allez, recule. Ok, ça tombe bien finalement. Non, ça. Ouais. Vache. Espèce de gros. Avec des. Je vous avais dit qu'il y aurait un problème si j'avais pas assez de cubes.
personne m'écoute. Monde de tristesse. Il est à moi celui-là. Il est à moi. Alors je vais le poser direct au fond. Puis je vais ramener celui-là. Ok. Comme ça, j'aurai tout ce qu'il me faut. Ok? Vous allez voir. Ça va super bien se passer et on va être rapide. Bip, blop, 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 blop. Hop. Pourquoi il y a encore un truc là? C'est pour que l'avion y passe. Ah oui. Ah, fait tout noir. Wonderful. Et j'ai ouvert la paroi qui était sur la petite île tout à l'heure. On va vite aller voir ça. Arrête avec les murs invisibles. Non, ce n'était pas un soupir, mais une très très belle imitation de soupir quand même. Et en plus, je vais me tremper mes godasses en dents. Ça va être dramatique. Quoi, c'est le stream de tous les ralages. C'est tout quand même, ouais. Merde, la barre, faut que je la ramène. J'ai totalement zappé ça. Ok, j'ai trois boîtes et une barre Milky Way, c'est génial. Cet inventaire électro-cosmique. Aïe, 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 aïe. Oh, je vais la ramener de l'autre côté, hein. Ça va être... Quand je sortirai du téléporteur, je vais tomber pile en face d'un truc qui réclame cette barre. Ok, je fais ça. J'ai vu la lumière. Éviter de tourner en rond pour rien. Puis je suis pressé de découvrir un autre endroit parce que quand on est dans un endroit trop longtemps, on a tendance à... Vous connaissez le phénomène. Ouh là là. Alors je reviens ici et je devais activer sûrement l'espèce de gros merdier là-bas au fond. J'essaie de me rappeler en même temps que vous, hein. Enfin, pour ceux qui ont suivi. Ok. Alors, j'ai rétabli le power sur le gauche, avec le téléporteur que j'ai arrivé, probably. Le power là-bas au fond. Le power ici. On va peut-être m'en manquer un, le droit de le savoir. Il va faire la gueule que ça, ton diagramme, toi. 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Non, 3. non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, regarde. Ouh, c'est très bon, ça. Allez, fonce. Fonce vers la montagne. Comment ça, ça le reprend? Non, pas du tout. Je pensais à du Guy Béard. Qu'est-ce qu'il va me vouloir que tu te coiffes? J'ai pas ça, moi, cette pièce-là. C'est quoi? Qu'est-ce que... Ah. Ça s'active. Ok. Et il faut que je l'active pour le positionner avec les axes et que ça s'arrête pile en face de ça. Regarde. Je comprends tout, moi. Ah! 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 Je tombe! Je chute! Je... C'est un ascenseur, certes, mais en plus il m'enferme. Les gars, si c'est pour faire des expériences bizarres sur moi et m'enfiler des sondes, c'est pas la peine. Je ne suis pas d'accord. Non, je tenais à le préciser parce qu'il y a des extraterrestres des fois. Parce que oui, je vous rappelle qu'on vient voir des extraterrestres. Il y a des extraterrestres qui se croient tout permis. Quoi. Et du coup, ils sont pas si extra que ça. Et le 4. Est-ce que j'ai pas une lumière? Bah, lumière, c'est... Tu peux pas aller à un concert et faire les rappels avec ça, quoi, tu te fais jeter. Donc ça, c'est mon ascenseur, ok. Enlève ta lumière, fais pitié. Enfin, je vais la mettre pour voir si je marche pas dans une grotte d'extraterrestre, mais... Ça s'arrêtera là. Oui, j'aime bien faire les tours de ça, hein. C'est des vieux trucs à la Unreal et compagnie, où tu as appris à faire les tours pour récupérer des bonus et pas sortir directement. Ouh, ça veut dire que j'ai complété ce tableau. Ça, ce serait Wunderbar. Ouh, mon Dieu. Alors apparemment, vous avez le son super bien chez vous, on me dit en régie. Et c'est bien du coup. Hop là. Et donc j'ai un deuxième poteau qui va sortir. Oui, c'est fait. Plus vite, je suis pressé. J'ai pas que ça à faire. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu ce que ça a fait du coup. Il fait nuit. Si, mais il est vide, voilà. Ok, deux zones de fête.
J'allais dire dans le chat, c'est vous qui choisissez, mais il n'y a personne. Je suis pas en live. Non, non, c'est un enregistrement de Tipiak. Qu'est-ce qui me plairait comme endroit? Je me tâte. Bon, ça, c'est d'où je viens. Parce que je l'avais commencé, celui-là. On va aller voir. Il me semble que j'avais commencé à mettre le pied dans celui-là, mais j'étais resté coincé parce qu'il me fallait le drone. Et je ne savais pas qu'on avait un drone, et oui, c'est bien ça. Alors, c'est rigolo parce que il y a un cycle jour-nuit. Donc, j'appelle mon drone. Et voilà, et il me déclenche le truc. Et là, ça me dit tu es bienvenue. Et ça va être simple comme chou, regarde. Donc, il y a une source d'énergie. Il faut que tu répartisses les deux côtés. On va faire une petite inspection à pied, les gars, hein, parce que j'ai envie de comprendre un peu. Donc, j'ai un truc qui va dévier la lumière. On va essayer. Blip. Ok. Et on va blipper l'autre aussi, tant qu'à faire. Hein. Et. Oh, blip. Le drone, tu préfères quel côté? Gauche ou droite? Ouais, gauche, c'est mieux, je suis d'accord. Mais pousse-toi, espèce de con. Oh, il m'a fait bugger. On va se faire celui-là. Je peux me relever? Je peux foncer? Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, il y a ça. Et avant de faire une connerie de toucher, je veux, hein, vérifier. C'est mieux. Là, il va me falloir une barre. J'ai une barre. Ok, là c'est tout vert ou c'est tout pas tout vert? Un coup de robot, ok, un coup de drone. Drone, boulot. Merci. Alors, faut que je me rappelle, j'ai un inter que j'ai pas touché ici. Pour éviter de faire des conneries. Il est où d'ailleurs? Là. Faut que je le touche maintenant, il va m'enlever la passerelle. What is it? What is that? What is that? J'ai pas vu ce que ça a changé. Puis une fois que c'est tripoté. Hein. Donc je le remets dans l'état initial, hein, comme ça si j'ai un souci. Et je pense que je vais prendre ce téléporteur puisqu'il va y en avoir besoin pour bien entendu trouver l'espèce de pièce en forme de manche là qui va me manquer. Oui, j'aime bien faire les tours pour rien. Donc pour trouver ça, faut que j'aille au téléporteur. Jusque-là, tout est logique et cohérent. Et ça va faire chaud chez vous, il fait jour au moins. Mais si c'est pour me mettre sur une porte fermée, les amis, on va pas être amis. Il y a des rayons activés apparemment dans le coin. C'est pas désagréable quand même du coup d'être un petit peu obligé d'explorer comme ça pour petit à petit bah, rassembler les pièces du puzzle. Je dis puzzle, non, normalement moi. Et donc, c'est assez intéressant. Est-ce que je me laisserai pas tomber comme une grosse quiche? Il y a un mur invisible, n'importe quoi. On essaye, on est ouf. Ouais. Oh le bordel. Ce que vous voulez. Alors, est-ce que j'ai des boîtes quelque part? Est-ce que l'on se trouve ça? C'est bête qu'il y a les panneaux de commande juste derrière. Petit cube. Où es-tu, petit cube? Tu te caches. Tu es un coquin. Il y a un escalier qui va nulle part? Si, c'est pour remonter là-haut. Ok, mais c'est par où je suis descendu. Bon, on va faire un tour très précis du coin. On va le cartographier un peu. Histoire de. Ouais, ok. Comment ça, j'ai fait semblant de comprendre quelque chose? Ne dites rien. Laissez-vous porter. Le rayon de la mort. Ouh! Bon, c'est des verts, tout va bien. Vert, rien ne se perd. Rouge, tout bouge. Et blanc, bien entendu. Alors, ça doit pouvoir se pivoter. Même pas besoin, non, c'est déjà en train de se balader dans la salle. Et ça m'a
ouvert ça, mais je suis quand même schnitzel pour ça. Alors, on va procéder une boîte là qui me tend le plexiglas. On a mon panneau de contrôle que je voulais. Alors, ça bouge. Celui que je voulais, c'est génial. Vite ma boîte. Je fais ma boîte. Ah, mais je me suis enfermé. Non. Non. Je suis ouvert. Non, il y a un passage par l'autre côté, on va dire. Ouais. Ok. Il va être tordu celui-là, je le sens. Il va être tordu et long à la fois. On va se remettre les trucs dans la position initiale. Parce que ça, je ne vois que des préjudices m'arriver. Hop et hop. Et ça, c'était très bien comme c'était. Hop, je repasse. Il n'y a plus besoin de boîte ici. Je peux aller acheter un peu de barre. Réfléchissons vite, bien, comme il faut, doucement, de manière cohérente. Ça va être la panique, les gars. Je vais garder mon cube dans la grande salle, parce que ce serait moche de me l'enfermer comme un méga cake ici. Toi, tu restes là. Moi, j'ai juste besoin de garder une issue ouverte de ce côté et d'aller faire le couillon de l'autre. Ouais, ça doit être ça. Plop. Voilà. Let me check. It's fine. It's super fine. It's étrangement trop fine. Alors, je dois bouger quelque chose pour faire quoi, là? Parce que là, du coup, je vois pas du tout. Qu'est-ce que tu veux que j'aille voir, mon pote? Je vais aller voir des fois que je puisse encore écouter ta main. Oui, il fallait s'y attendre. Et l'autre, c'est... Ouais, et c'est rouvert, là. Que dalle. Ah, hop. Ta, j'arrive. Je récupère ça, c'est à moi. C'est mon cube. Je l'aime d'affection, quoi. Même s'il est juste cubique. Ça va. Ah mais c'est bon, c'est activé. Je peux lâcher l'affaire. Je vais monter avec mon cube parce que j'ai appris à me méfier maintenant de ce jeu. Comme de la peste. Parce que les petits allers-retours gratos, on n'aime pas, je le répète, hein, j'insiste. Je vais me téléporter avec mon cube, je suis jamais venu ici, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et il me faut encore une barre chocolatée pour accéder à ce bousin. Mais au moins, je sais où je suis dans l'univers maintenant. Alors ça, vous voyez Jupiter? C'est pas Jupiter. Mais ça pourrait. Voilà. Le satellite qui tourne, c'est nous. Et... on perd du temps, là. Et qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Je ne sais pas. C'est la première fois que je débarque dans l'endroit et du coup, je suis un petit peu... Il doit y avoir ces quatre montants à faire s'élever. Et donc, il va me falloir trouver. Voilà. La logique vient. Il me faut une barre. Que j'ai pas. Bah non, on peut vérifier, mais j'ai pas. Et une fois que j'aurai trouvé cette barre, au joie, je pourrais tripoter ces boutons de manière à faire un alignement parfait qui va faire démarrer un compte à rebours et on va tous mourir. Oui, c'est mon petit côté Roberto Smithou. Alors, je suis pas allé par là. Clic-ploc. Oui, clic-ploc. Bon, je m'en fous, je marche sur l'eau. Hein. Bon, on va faire tout le tableau, hein. On va regarder ce qui se passe. Il faut qu'il arrive quelque chose de génial. Plouc. Pas d'issue. Non. Les gars, vous êtes sympas, mais je vais récupérer mon cube. Personne ne veut m'aider ici. Même pas mon drone. Mon drone, je lui dis, tiens, bouge ça.
Que dalle. C'est un drone syndiqué, quoi. Je reprends mon cube et je me barre. Hein, voilà ce qui va se passer. Puisque j'ai certainement pas activé ce qu'il fallait pour avoir le droit de me servir de ce machin. Je regarde inquiet le chrono, on en est à 25 minutes, ça va. Il m'a losé mon cube ou j'y arrivais? Ouais, il m'a losé mon cube. Non, 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 j'y vais pas, je fais la gueule là. Alors, il y avait un truc à. Yes. And now, the news? No. Ouais, je pense que ça devrait activer une passerelle là-bas. Symétrique, tu vas d'un côté, tu vas de l'autre. Bah, on va aller en face, hein, tant qu'à faire. Il y a celle qui n'a pas été activée encore. Youhou! Est-ce qu'on va voir? On va faire en face. Hein. On va faire dans l'ordre. Si ça se trouve, j'ai commencé par la gauche alors qu'il fallait commencer par la droite. Ce sont des choses qui arrivent. Je tripote tout parce que je suis un sale tripoteur. Et il me faut trouver une barre. Oh, je suis surpris, dis donc. Doit y avoir une issue. Voilà, mon roboto. Coucou le drone, au boulot. De rien. Ça pique les yeux, la transition. Un poil le piège à con. Là. Genre, je vais tomber sur un autre drone, mais pas sympa. Je fais mon tour réglementaire, des fois que. Hein, parce que j'ai quand même deux barres à trouver, mine de rien, là. Ce serait nigaud de passer à côté et. Le drame, quoi. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Le jeu a décidé de me perdre totalement. Ça y est, je passe dans un niveau inférieur. Ça veut dire que tout ce que j'ai en tête du niveau supérieur, je l'aurais oublié d'ici que je remonte. Je me connais, hein. J'aurais pu jouer dans Nemo. Oui, le poisson bleu. Super. Briquet. Lumière. Elle me fait peine, cette lumière. Je suis un peu triste pour elle. Qu'est-ce que c'est? Alors, en plan rapproché, on voit pas trop ce que ça a. Ah, d'accord. Y a-t-il un intérêt? Probably, hein. Hop, 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 hop. Y a un pas copain. Un pas copain. Regardez-moi ce pas copain qui me veut des pacotilles. Parce qu'il est pas copain du tout, quoi. Mais il est un peu con. C'est le gros avantage, quoi, du pas copain. C'est qu'il est un peu con. Hop, appuie, clique. Casse-toi aussi vite. Hop, hop. Ouh là là, mais ça va purer de loin. Il me suit, lui? Non, il me suit pas, il a trop peur. J'active tout, hein. Oh. Peut-être j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Et non, Gérard Lambert. Hop, 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 je vais où? Je fais quoi? Je sais pas. Je suis où? J'en sais rien. Alors, est-ce qu'ils m'ont suivi? Non. Je suis trop intimidant. On va faire le tour complet, hein. Normalement, ça m'a l'air un poil symétrique. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? D'où viens-tu? Qui es-tu? Petit vilain barbu. Ça s'ouvre, ça. Non, ça s'ouvre pas tout de suite. Il faut une alimentation électrique. En fait, faut que tout le rayon vienne jusqu'ici pour ouvrir cette fragile porte. Et s'il y a un côté, il y a un second côté. Clic.
celui-là il est d'avance, mais mon rayon, la source du rayon est tout là-bas au début. Il va me lâcher un salopard, c'est obligé. Lip. Et je me casse, hein. Je me casse courageusement, c'est la technique TBG, vous la connaissez bien depuis. Alors. Lip. Out. Lip. J'ai vraiment mis un merdier total sur ce niveau, je pense. Et je suis sûr que j'ai raison. Que je vais voir là-bas. Alors ça c'est check, ça c'est check. Est-ce que je retourne au bout voir si c'est activé pour de vrai ou pour de bon, pour de... Pourquoi le rayon il fait comme ça? Alors il passe là, il va là, pardon. Ouais mais ça c'est pas ouvert. Ça s'oriente pas. Comment ça je parle avec Anaxen? Je vais retoucher la console. Console, voyelle. Et tu peux plus la retoucher mon pote. Tiens, ça a changé. Pardon. Ok. Il faut jouer avec les bitonios de manière à ce que ça rebondisse jusque dans le bon endroit. Qu'il est donc tout au bout. Il faudrait que j'aille en face idéalement. Mais il n'y a pas de passerelle pour aller en face. Et le méchant matin. Alors je lui ai dit, attends-moi en bas de la montagne. Oui, Francis Cabrel, ce fantôme qui nous accompagne parce qu'il nous a traumatisé quand on était enfant. Bon, ça c'est pas mal. Faudrait que je fasse la même chose en face, mais que je me méfie des deux abrutis que j'ai libérés là. Oui, je vais les appeler abrutis, c'est important de donner un petit nom à l'ennemi. Parce que sinon, on devient familier, quoi. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu n'as rien calculé. Je suis la discrétion totale. Je ne pourrais pas le désintégrer, en fait, c'est vrai, ça me rendrait beaucoup. Est-ce que je vais droit, là? Ouais, je vais droit, j'ai bon, mais il m'attend. Il vient droit sur moi. Je pense qu'il en veut à mon espèce ou un truc dans le genre. Salut! Tu bouges? Bouge. Yes, bouge. Come on. Yeah. Come on. Yeah. Do it again. Ça va tout droit, c'est bon. Jusque-là, tout se passe à la perfection. Dites-moi pas le contraire, ça. Hop. Et donc, ça sert à quoi tout le merdier que j'ai foutu là? À rien! Bouge ascenseur. Ce serait moyen drôle mais possible qu'on reste coincé. Je oula, vous le dis. Il veut jouer lui. Il est en mode coquin. Ça se voit, il a l'œil coquin. Oula là, trace. Alors faut que je regarde au tout début. On avait des inters que je vais peut-être pas manipuler comme il fallait. Tout ça pour écouter un peu plus de Vangelis. Bande de gredins. Et si je retouche ça, ça fait rien, j'ai pas le droit d'en toucher. Ok. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas fait, bordel de... Ça, c'est mon ascenseur. Même pas pour l'échafaud, dis donc. Alors, si je manipule. Ça c'est niet. Ça c'est maybe. Mais si ça tape là-dedans, c'est débile. On va essayer, mais. Je suis perplexe. Faut ouvrir les portes les unes après les autres, peut-être. Eh, purée, c'est ça. Ok, boy. Quand c'est ouvert, par contre, c'est ouvert une bonne fois pour toutes. Si je fais ça, ça va. Oui, c'est bon, ça se referme pas. Ok, je me suis fait du mouron pour pas grand chose en fait. Puisque c'était entre guillemets simple comme chou, si tu connais le process. Donc il faut que je fasse la même chose derrière maintenant que le rayon passe. Ça, c'est pas refermé. Hein. Ouais. Don't tell me bullshit. Il n'y a rien à activer en bas. Non.
pas de potes dans le coin non plus. La vie est chouette. Plutôt pas mal, ouais. Est-ce que je peux sauter directement comme un salopard? Ah, mais c'est tout ouvert. Tout ouvert. Je vais la jouer la plus rapide. Ah oui, il faut les deux. Et oui, j'ai plus de lumière là. Ah, pas dans les yeux, pas dans les yeux. C'est dangereux les lasers dans les yeux, bordel. Clope. Voir ce que ça donne en face. Parce que si je peux m'épargner de faire le côté droit, bah on va gagner en vitesse là. Peut-être que à vouloir gagner en vitesse, je vais faire une énorme connerie. Allez savoir. Ah, bonjour toi. Bah, je me rappelais plus que t'étais là. Mais je pense à d'autres choses. Oui, c'est marrant. Hop. Mais je vois pas trop l'intérêt. Je sais pas qu'il en faut deux pour celui-là. On va dire ça. Croisez-vous les gars, croisez-vous bien. Et moi j'ouvre ma porte, tranquille, nickel. Ce plan s'est déroulé à la perfection, je vous le dis mes amaches. Donc, j'ai mon rayon de la mort qui va aller de l'autre côté. Moi je vais faire zay. Comme ça. L'autre il était speedé de me partir aux fesses en bas, je l'ai vu du coin de l'œil là. Tu sens qu'il y a une amitié mais qu'elle est relative quand même. On se casse. Ciao les blaireaux. Ciao les blaireaux. Et je remonte à l'autre niveau dont j'ai paumé totalement la topographie. Et là ça va être un massacre. J'ai trouvé une barre. La barre. De toute façon, quand il y en a marre, on trouve la barre, non? Oui, je sais, on n'est pas dimanche, les jeux de mots, je les foire en général. Ah, j'ai retrouvé mon cube. Tu sais que je t'aime, toi, c'est mon cube. Oui, mon cube à moi. Est-ce que je rouvre ça? Il n'y a plus besoin. Je sais même pas où je suis, en fait. Où je suis, bordel? Ok, viens avec moi, toi. Non, mais je me balade plus dans ce jeu sans cube. C'est hors de question, quoi. J'ai trop fait d'aller-retour. Je suis traumatisé à vie. Donc, je suis un peu paumé. Comment ça, c'était inutile de le préciser. Bon, bah, si vous le dites. Une porte qu'il faudra activer avec deux rayons qui vont probablement avoir leur source tout de l'autre côté. Et peut-être du robot méchant. Il est beau mon cube, hein? Il vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Ouais, c'est moi qui le porte. Oui, alors, c'est facile de se moquer d'un mec qui se balade avec un cube pour rien, mais... Je vous garantis, si on trouve une dalle à pression, vous allez me respecter, pas comme une divinité. Vas-y, bosse mon robot. Attends, je lâche mon cube, parce que je peux pas tout faire. Mon robot, tu me crois, toi? Tu as le groove, t'as confiance en moi. Je te laisse le cube, tu le gardes, tu fais pas le con avec. D'accord? Je reviens, faut qu'il soit là. Comment ça, monsieur K, tu as perdu des morceaux, tu parles aux objets du jeu. Bon, c'est pas un objet, regardez, il est interactif. D'ailleurs, t'es interactif. Viens vers moi. Il est pas encore très obéissant, il est jeune. Mais ça marche. Alors, 40 minutes à peu près. 40 minutes de stream. On va essayer de pas dépasser l'heure parce qu'une heure c'est quand même très long. Il est en train de me paumer à me faire aller à gauche, à droite, à je ne sais pas où sur cette map. Ça, c'est un jeu qu'il faut surtout pas y jouer après l'apéro. Parce que là, vous vous rajoutez des difficultés gratuites et ça peut être vraiment très fourbe. Est-ce que je suis sur le même plan que je sais pas. Ok. C'est pas une petite barre qui traîne des fois là, les gars. Alors du coup, pour éviter de m'éterniser et de traîner, bah, je prends pas le temps de m'extasier.
Et je vous garantis que j'aimerais bien booster le jeu en full HD, mais j'ai peur que le stream se mette à être dégueulasse, donc on va le garder dans cette qualité assez naze. Qui ne lui rend pas hommage, hélas, mais au moins c'est fluide comme expérience. Alors c'est vraiment de délire le parti pris graphique. Il y a des gens qui vont détester, je le comprends tout à fait. Ceci dit, moi, l'effet, si c'est celui recherché, d'être tout zen et d'être accaparé par le jeu pour quand même, malgré les complexités, essayer de trouver des solutions à ces énigmes, bah, je trouve que c'est bien fait. Parce que je vous garantis que Monsieur K n'est pas un joueur de jeu d'énigmes. Je bullshit pas. Alors, encore une porte qu'il va falloir ouvrir avec deux. Oh, robot feignasse! Tu bosses un peu? C'est gentil de penser à moi des fois. Ça fait quelque chose, ça. Je sais pas ce que ça fait. Quand tu sais pas, tu touches pas, gars. Bah oui, mais c'est la moralité, ça. Robot, tu peux me le reset, le machin? Allez, stop. Bon, d'accord, je vais voir de l'autre côté. J'ai fait une grosse connerie, peut-être. C'est un jeu, c'est bien fait. C'est prévu pour ça, ça m'éteint le truc. Oui, non, peut-être. J'aime bien savoir. Bon, on s'en fout. Ok. Il faut une source de lumière pour ouvrir cette porte. Cette source de lumière va passer par là. Elle passera. Pousse-toi en face. Bon, forcément que je joue avec ce cube, je sens. J'aurais jamais dû le tripoter. Passer ici. Et donc ça se trouve une bonne proba qu'elle vienne de là-bas. Alors là, vous l'entendez pas dans le stream, mais dehors, il y a des bourrasques. On est quand même en mai et je sais pas, il y a une tempête de neige. Je pense qu'il peut tomber 3 mètres de neige cette nuit. Alors qu'on est en mode printemps tout l'hiver. Et toi, je te tripote aussi car c'est toi qui as la lumière. Mène-toi le robot. Putain, il y a la bourre lui. Oh, ma flemme! T'arrives? Je vais l'appeler ma flemme. Non, je viens pas. Alors, vas-y, qu'est-ce qui. C'est quoi? Tu veux qu'on parle de ton syndicat, c'est ça? Tu vas commencer à être désagréable à ton âge. Ça fait à peine 2 heures que je te connais. Viens là. C'est la fessée. Allez hop, sur les genoux. Le robot veut pas. On est seriously. J'ai plus aucune commande d'action disponible ici. Oh, feignassou. Nom de Zeus. Même les machines sont contre moi. Maurice, je vais te pousser. Allez, avance, purée de corio, le robot. Non, mais moi je suis comme ça, hein, depuis. C'est comme les amplis, les trucs comme ça, pour réparer, je mets des coups dedans. Hein. C'est plus simple que d'essayer de trouver de la doc, puis après de faire ça avec tous les bons outils que t'as pas. Et du coup, je ne suis plus du tout le robot. Je vais essayer de trouver un autre truc à tripoter pour le forcer à me suivre. Si je descends dans la bouillasse, là, ça fait rien. On va profiter du paysage, hein, les amis. Attendez, je vais reprendre le casque. Vous adorez quand je fais l'effet casque. Eh oui, c'est Monsieur K, une fois de plus. Je suis revenu sur Mars. Parce que, en fait, ça me manquait. Et j'aime bien cette couleur rouge, malgré ce qu'on pense les rousses. Non, j'avais dit que je faisais plus jamais de blagues sur la bouche. Je suis quand même bien emmerdé pour cette histoire de robot, quand même. Il est coincé comme un con là-haut. Et c'est quand même pas un bug du jeu, parce que c'est assez énorme. Picotis, picota, je vais faire la technique Roger Rabbit. Picotis et picota. J'ai bien emmerdé là. Robot, je peux plus interagir avec quoi que ce soit là. Alors du coup, ça, moi, pour moi, ça a plus la barre d'un bug qu'autre chose. Il y a le dernier interrupteur là-bas. Si, apparemment,
épouser mon veau. Mon robot très con aujourd'hui. Mon robot d'une connerie intergalactique. Bah toi, il est où ce truc? Machin, Maurice. Bon bah je crois qu'on va terminer ce stream plus trop que prévu parce que je sais pas ce qui se passe, si c'est un fail, si c'est un bug, mais il y a une chose que la normalitude réprouve, on va dire. Oui je sais, ça va rien dire comme phrase, mais vous comprenez très bien le sens profond de ce que je tente d'exprimer, qui est un petit peu du désarroi et surtout beaucoup du désespoir. Parce que là, on était en face de ça. Et j'ai envie de savoir. Ce jeu est bien foutu pour ça. Je peux que le reconnaître. Donc, bah, on va se mettre un petit paysage, puis on va se quitter là-dessus. Tranquillou. Parce que il n'y a pas de raison. Quoi. On va se mettre là sur le caillou. Ouais. Regardez-moi ça. Il n'y a pas une planète quelque part. Pour que ça me fasse vraiment un très... Voilà, c'est magnifique. Voilà, juste pour vous. Est-ce qu'on se retrouve pour un nouveau stream? Ça va faire... donc on en est à 3. Je vous avouerai que ce qui m'inquiète, c'est que ça va vraiment vous spoiler le jeu à fond. Et de plus en plus, je vais tourner en rond, donc ça va être long inutilement. Donc, ne comptez pas trop sur de nouveaux streams sur ce jeu. Puisque, en plus de vous le spoiler, ça sera pas forcément intéressant à regarder. J'espère que vous comprenez. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne de toute manière et je vous laisse avec les deux playlists usuelles. C'est la coutume. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao.